En élaborant mon plan pour ne plus être invisible, j'aurais dû préciser quel genre de visibilité j'espérais. Cette fille-là, elle était dans mon cours d'histoire l'année dernière. À l'époque, je savais même pas qu'elle sniffait de la peinture en spray. Une amie psy de la manucure de ma mère était à l'hôpital quand la fille est arrivée. Et il paraît que son ventre était sur le point d'exploser. Quand ils ont pompé l'estomac de la fille, on m'a dit qu'ils ont trouvé... 750 pilules. J'ai passé 2 semaines à essayer d'expliquer que mon accident n'était rien de plus qu'un accident. Mais plus je niais et plus les gens pensaient que j'étais dans le déni. Un joli cercle vicieux. Non, mais il y a de la graisse qui déborde de partout. Désolée, mais non, merci. Et t'as vu que cette fille-là, elle a osé venir avec son plâtre? Bonjour, le look. Non, mais faut qu'elle aille à l'asile, c'est clair. Chut. Pourquoi faudrait que je me taise? Désolée, Sadie. Au contraire, c'est le but de cette loseuse qu'on parle d'elle. C'est pour ça qu'elle est passée à l'acte. C'était qu'un stratagème pour attirer l'attention sur elle. Elle devrait aller plus souvent à l'église. T'aides bien. Tout le monde me traite comme si je sortais d'un téléfilm dramatique. Bah si t'es Kristen Stewart dans Speak, c'est plutôt flatteur. Arrête, elle se faisait violer dans ce film. Eh, vous savez bien que j'ai pas essayé de me tuer, hein. Oh, mais bien sûr, Jenna. Hein? Je préfère prendre un joker sur ce coup-là. Hamlet, l'un des chefs-d'œuvre les plus intenses et les plus influents de toute la littérature anglaise. Vous connaissez tous la fameuse tirade « Être ou ne pas être ». D'après vous, qu'est-ce que Hamlet voulait dire, hein? Quelqu'un a une idée? Oui, toi là-bas. Mais j'ai pas levé la main. Ok. Vous pouvez enlever le panneau sur mon front où il y a écrit fragile. T'en auras quand même un énorme autour du cou, un peu encombrant, mais à force, tu t'y habitueras. C'était la première fois qu'on se revoyait depuis mon dépucelage. Et j'avais presque oublié que je ressemblais à rien. Salut, est-ce que ça va? La question était complexe. Jenna Hamilton est demandée au bureau du secrétariat. Jenna, je m'appelle Valérie et je suis ravie de te rencontrer. Je sais que c'était Monsieur Michael, ton conseiller d'orientation l'an dernier, mais compte tenu de ton... Accident? Oui, c'est ça, compte tenu de ton... accident. Monsieur Michael s'est dit que 2 filles ensemble, ça serait un peu plus excitant. Enfin, je veux dire, un peu plus stimulant. Ok. Ta mère m'a envoyé une copie de la lettre que tu as reçue. C'était pas agréable à lire. Ben non, la critique, ça fait jamais plaisir.